Bonjour, monsieur. Bonjour. Le déroulement de la journée. Donc, on est à, même pas devant la boucle, un binôme sur différents postes du bateau. Donc, il y a Julien qui parle la coque, c'est-à-dire qu'il est en train de raboter toutes les différentes épaisseurs du bordé de la coque pour pouvoir calfater derrière. C'est un chantier d'insertion avec comme but premier de la réinsertion socio-professionnelle au travers de la restauration de mobilier classé ou pas classé mais qui ont une très forte valeur au niveau du patrimoine maritime ou fluvial. Un chantier qui découle d'une activité beaucoup plus ancienne, des années 80, qui existe toujours au sein d'un conservatoire maritime et fluvial, avec un petit chantier naval associatif qui s'appelle les Ateliers de la Mémoire, où l'on stocke et restaure des embarcations, mais de plus petite taille, du bétou. Ce qu'on appelle le bétou, c'est un petit peu ces barques d'étang là qui pouvaient servir aussi à aller à la chasse, qui font 3-4 mètres, jusqu'à la barque catalane, qui va jusqu'à 11 mètres, 10, 11 mètres. Ce que vous avez ici, entre le Miguel Caldante, donc, qui est un des derniers paillebots classés monument historique, la Marie-Thérèse, plus vieux bateau d'Europe navigant, et nous accueillons en principe au mois d'octobre, entre les piquets oranges que vous voyez là, pour la ville d'Agde, l'Espérance, qui est le plus vieux bateau de travail à voile des Côtes de France, inscrit au titre des monuments historiques. Donc vous aurez ici un pôle au niveau patrimoine maritime et fluvial que vous ne trouvez nulle part ailleurs en France. Hein. C'est un bateau qui a été construit en 1916 à Palma de Mallorca, au Baléares. C'est un petit cargo à voile en fait, hein. C'est une goélette mallorquine, il y a deux mâts, qui transportait à l'époque essentiellement des agrumes. C'est un bateau qui était basé au port du Solaire, au Baléares, qui descendait chargé des oranges du côté de Valence et qui après desservait tous les ports de la Méditerranée française. Le premier bateau que j'ai restauré, c'était une barque catalane à Grussan. J'ai sympathisé avec des gens, et notamment avec un pêcheur, là, monsieur Boucabeil. Et donc il me racontait qu'en hiver, on va ramasser des oranges sur la plage de la Vieille Nouvelle. En fait, ces oranges, c'était le cas un petit peu sur toute la coque. C'est ces bateaux qui les amenaient, parce que c'est des bateaux qui avaient 90 tonnes de capacité de transport. Les oranges, elles étaient empilées les unes sur les autres, hein, du fond du bateau jusqu'au plafond. Là. Donc tout le bateau rempli d'oranges. Et ça ne suffisait pas, donc ils faisaient des chargements en pontée dessus, et qui étaient plus ou moins découvertes. Et ce qui fait que par mauvais temps, lorsque les bateaux passaient au large, les paquets de mer faisaient tomber des paquets de marchandises à l'eau qui arrivaient sur les plages. Et les gens avaient pour habitude l'hiver d'aller ramasser les oranges. On a commencé à le restaurer en 2008. Et on doit en principe le mettre à l'eau pour son centenaire. Un petit bout là, il y a un tout petit bout, mais je ne sais pas s'il va y aller. Notre cahier des charges est modélisé en fonction de trois choses. Le fait que le bateau soit classé ou pas. Donc les monuments historiques, eux, ils souhaitent conserver le maximum de pièces d'origine. La volonté du propriétaire, qui est propriétaire. Et je veux dire, celui qui prime,
par rapport aux deux autres, c'est les projets d'exploitation qui vont être faits sur le bateau et avec le bateau. Savoir si le bateau va être musée flottant, musée à terre, en navigation, transporter des marchandises. Le projet d'exploitation sur le bateau consiste à le faire répondre à deux divisions maritimes et qui vont lui permettre à terme de transporter des marchandises au commerce tout en accueillant 12 personnes en navigation pendant ces transports. Vous les faire comme ça, très légèrement, vous les inclinez comme ça, à peine. Hein. Ah. C'est-à-dire que quand vous allez chasser, ça va te tasser ta... Ça va te tasser, c'est tes deux premiers coups que tu mets, va te tasser ta planche au bout. Ça va te lâcher derrière. Vous allez arriver ici, donc il faut que vous arriviez à mettre un là, quoi. Un bateau en bois, c'est fabriqué comme un bonhomme. Hein. Vous avez une colonne vertébrale que l'on appelle la quille, sur laquelle viennent deux levées, donc les tambours pour l'arrière et l'étrave pour l'avant, et sur laquelle vient se mettre un ensemble de couples, les côtes du bateau, qui vont vous former en fait le squelette, qui sont liés à la quille par un système de boulonnage, et sur lequel vient se poser une peau constituée pour celui-ci de planches de mélèze de 7 cm d'épaisseur qui est clouée sur la structure par du goujon cylindrique industriel mais qui est galvanisé à chaud. Qui est ensuite rendu étanche par une technique particulière qui s'appelle le calfatage. Le principe du calfatage, c'est d'insérer entre chaque bordée, donc dans les joints de planches, une cordelette de chanvre qui viendra ensuite, selon les méthodes, mais pour nous, recouverte de primaire et d'un mastic de vitrier mélangé avec ce primaire avant d'être peinte et qui va faire l'étanchéité du bateau qui, après, lorsqu'il va rentrer dans l'eau, va également gonfler et venir parfaire cette technique d'étanchéité. Le bois a une telle force, surtout sur des épaisseurs comme ça, que si on dose trop, on va avoir des planches qui vont se désolidariser de la charpente, que les clous vont s'arracher tellement ça va pousser. Et si on ne tasse pas assez, l'eau va rentrer dans le bateau. 4 passes pour ce bateau, ça se fait avec des fers à calfater, qui vont varier en fonction des largeurs. Donc la première passe avec un fer à ouvrir. Et au fur et à mesure que vous allez faire des passes, on va passer des cordes plus ou moins grosses avec des fers plus ou moins larges. Maître Calfa, c'était un corps de métier à part entière comme charpentier de marine à l'époque. Donc c'était du travail qui en principe était sous-traité par les maîtres charpentiers. Donc chaque maillet, alors c'est un vieux charpentier qui m'a raconté ça, donc je pense que c'est pas faux, avait été percé différemment et avait une résonance particulière. On appelait ça le chant des calfas, parce que le charpentier qui sous-traitait à l'autre bout du chantier, à la sonorité du maillet à calfater, il savait si le maître calfa, il était assis sur sa caisse en train de fumer la cigarette ou si calfatait. Quoi. La charpente axiale donc, a été totalement remplacée. La charpente transversale a été complètement restaurée à 50% de remplacement. Et toute l'enveloppe du bateau est terminée. On attaque aujourd'hui, on est en train d'étancher le dessus du bateau et on attaque le rabotage de coque pour pouvoir étancher la coque. Voilà parti. Là, il y a Bernard. Louis. Il est toujours à Bernard. Lui. Vous allez voir. Il y a un bateau que j'ai fait, ça, dans le haut fond. Ouais, il va être cassé. Il va être cassé. Ouais. Il n'y a plus qu'un 14 mètres. Je vais vous expliquer après. Vous avez vu comment il est. Un peu plus, il remontait sur la berge en face. Hein. Alors, je vais te dire. La prochaine fois que tu mets un bateau à l'eau, couche-le sur le flamme. Vous voyez que je construis encore. Hein. Il y a à peu près 2000 pointes en laiton en tout
au pont du bordé, sans compter les membrures. Hein. En réalité, le fait 29 mètres. Mais là, le fait 2 mètres. Sans le bout d'eau. Et le Miguel, on a 20 000 fixations. Il y a David, c'est David qui fait les bouchons. Là. Je voulais te dire, je l'ai empêché d'arrêter. Mais en fait, là, ça fait une belle étape. Parce que l'autre jour, il y a eu quelqu'un, l'autre jour, il me dit, il y a tant de membrures que ça. J'ai dit, oui, alors, le problème, si on bouche complètement, les gens ne s'imaginent pas. Il y a un squelette. Hein. J'ai fait la goulette America parce que quand même, c'est un bateau légendaire. Hein. J'ai eu au moins une trentaine d'apprentis. Je ne dis pas que j'en ai fait 30 ouvriers, c'est pas vrai. Mais à ces gens-là, je transmettais le savoir. Mais je transmettre, c'est tout à fait naturel de transmettre. D'ailleurs, j'en ai fait un livre. Hein. Et souvent, je me rappelais donc de ces anciens charpentiers, pourquoi ils se cachaient. Ils ne se cachaient pas pour ne pas transmettre. Il n'y avait plus de charpentiers que de travail. Ils avaient toujours peur que leurs collègues qui le regardent, lui prennent le travail pour garder leur savoir, pour pas que le collègue le découvre. Mais c'est uniquement dans cet état d'esprit. Le gabarit Saint-Joseph avait ça d'intéressant, c'est qu'il permettait de faire le même type de bateau dans les différents chantiers, disons la catalane, avec des avant, des arrières plus aigus, plus renflés, tout ça. C'est-à-dire, quand vous voyez par exemple le soir, à la tombée de la nuit, voir ces catalanes pêcher au fil des rivants, sortir le soir à 5 ou 6 heures, alors c'était tout un défilé de barres catalanes qui sortaient. Chaque catalane avait la signature du constructeur. Il y avait la marque de fabrique. Un peu plus haut devant, un peu plus haut derrière, le capien un peu plus lancé, ceci. Alors, du moins, pratiquement, quand tous ces bateaux sortaient à la voile, vous dites, un tel, c'est Aversa qui l'a fait, l'autre, c'est Stento qui l'a fait, c'est Ricciardi qui l'a fait, ainsi de suite. Autrement dit, c'était l'avantage de la fabrication de ces bateaux que chaque bateau. Un bateau sur plan, c'est autre chose. Normalement, j'allais dire, ça devrait être identique. Je vais vous dire, vous prenez 5 charpentiers, vous leur donnez 5 plans du même type de bateau qu'on se. Je vais plus loin là. Hein. Eh bien, les 5 charpentiers avec le même plan, ils vont faire des différences de bateau. Peut-être pas au point de vue forme, hein, mais au point de vue d'élégance. Tracer la tonture d'un bateau. Parce que la tonture d'un bateau, c'est les manqués. C'est le bateau qui tout manqué. Et il va supporter ça toute sa vie. Si c'est les parois qui sont manquées, les parois peuvent se refaire. Mais une tonture qui est manquée, c'est toute l'esthétique du bateau. Cette esthétique va rester jusqu'à la mort du bateau. Donc, c'est très important. Et la tonture d'un bateau, vous ne pouvez la réussir si vous construisez votre bateau dans des lignes. Le bateau, il faut qu'il soit dans ses lignes. Qu'est-ce que ça veut dire dans ses lignes? Dans ses lignes, ça veut dire voir le bateau de la même façon qu'il est dans l'eau. Voilà, il est pur, correspond à la goulette à l'échelle qu'elle est. Disons, la même épure, il fallait la faire en grandeur réelle pour un bateau de 29 mètres et de près de 7 mètres de large. Il fallait faire sur un plancher le même travail. Il y a un gabarit pour chaque membrure. Il y a 7 morceaux. Chaque membrure, alors multiplier 50 membrures par 7 morceaux, là, ça fait 350 morceaux, rien que les membrures. Vous vous rendez compte ce que c'est que la consommation. Et aucun morceau des mêmes. Donc on relève l'ensemble des pièces du puzzle hein, qui composent le squelette, la charpente du bateau. Qui est composé sur un couple qui traverse donc tout le bateau, de têtes de membrure, de genoux dans les parties rondes, d'allonges et de varangues dans les fonds, un ensemble de pièces qui sont reliées entre eux. Donc il y a des parties qui ont été totalement remplacées, d'autres qui ont pu être conservées, d'autres dont les écarts, c'est-à-dire les assemblages, ont été décalés. On traduit ça en les nommant techniquement et en y mettant un coefficient, un pourcentage en fait de parties d'origine et de parties changées.
C'est un bateau qui a été construit en 1855 à Toulouse, au pont des Demoiselles, et dont la forme existe et a été dessinée en 1790 pour exploiter le canal du Midi. Donc il les pile aux dimensions des écluses, donc vous avez l'écluse Mandirac un peu plus haut, les écluses en forme d'olive, il les pile à ce gabarit. Donc ce sont des bateaux qui, on va dire, pullulaient, puisque jusqu'à la moitié du XXe, là, vous aviez entre 200 et 250 bateaux comme ça, qui faisaient du commerce de Bordeaux à Sète. Et ils ont tous été détruits progressivement pour être remplacés par des automoteurs en acier, les péniches, les dernières péniches que l'on peut voir. La Marie-Thérèse, elle a été préservée puisqu'elle a arrêté sa carrière commerciale dans les années 60. Et puis dans les années 90, ben, faute d'entretien et croulant, elle devait être coulée au large de Sète pour faire un vivier à poissons. Donc on s'en est importé acquéreur pour un franc symbolique. Et on a plongé dans une grosse galère. Voilà, parce qu'on n'avait aucun moyen interne d'assurer des restaurations pareilles. Donc là, après, il y a un circuit d'eau qui va se faire, qui prend l'eau du canal, qui passe dans le moteur et qui va venir rejeter l'eau sur le côté. Donc quand le moteur tourne, si tu as l'eau qui ne coule pas, là, il faut arrêter de suite parce que ça veut dire que le moteur il refroidit pas, hein, tu le pètes. Alors, on est au prélèvement. Donc ensuite, il faut mettre le moteur au point parce que comme tu n'as pas de démarreur, tu vas envoyer de l'air dans ce piston là. Et l'air comprimé, elle va pousser le piston et ça va commencer à te faire tourner le moteur. Donc là, je suis bon. Et en plus, donc là, j'amorce mes pompes. Et voilà, j'ai les pompes qui craquent. La dernière doit craquer là-bas. Si elle ne craque pas, c'est que j'y suis pas. Donc là, tu vois comment elle craque. Là, j'envoie du gasoil dans mes pompes pour l'amorcer. Je te reprendrai dans 5 minutes, je vais mettre toutes pour ça. Comme il fait froid. Alors, ça c'est un amadou, hein, ça se consume. Mais c'est, oui, en période de froid, ça, c'est comme un starter, en fait. Ça te préchauffe les... Ah ouais, ça prend bien. Ouais. Là, ça commence direct, dans le monde. Ben, ça se consume doucement. Parce que lui il est froide, quand lui il est chaude, il est quasiment à zéro. Il faut le regarder régulièrement, c'est pour ça que ça reste ouvert, c'est quand tu conduis, tu peux regarder toujours. Monsieur Canel, vous pouvez embrayer là? Merci. Il a embrayé. Thank you.
Bordeaux, Sète, Toulouse et Marseille. Marignane aussi. Ah oui. Marignane et Toulouse. Elle s'appelait par hasard. Mon grand-père y était, mon père et mon fils. Moi, je le regrette pas. Hein. Je regrette qu'on n'ait pas eu du travail. Parce que on marchait plus vite que ça, hein, quand même. Et on faisait 6 à l'heure, au moins. C'est pas beaucoup, mais enfin. 250 tonnes, c'est déjà pas mal. Beaucoup de céréales. Et puis, quand nous étions à 7 ans, des fois, nous allons pour celui du Rhône, charger du sel pour les morutiers pour Bordeaux. Et tous les clients, ils appelaient donc la coopérative qui était à Toulouse pour donner du fret pour les péniches. Et ça se passait en bourse à Toulouse. Voilà, parce qu'il y avait un bureau de bourse à Toulouse, à Sète et à Bordeaux. Ils fréquentaient souvent l'école buissonnière, des chemins creux pleins de lumière. Ils s'instruisaient à leur manière. Ils étaient nés sur une barque au fil de l'eau. Ils s'amusaient comme Pétrarque. Avec des mots, ils ne redoutaient que les parcs reines des eaux. De père en fils depuis que le canal existe. Au départ, mes grands-parents n'ont fait que du vin, mais des barriques. Et tant que les camions n'ont pas existé, c'était des bateaux qui transportaient les fûts. Ils venaient charger le vin dans le midi, ici, Capestan, partout où il y avait la vigne, vraiment. Ils ont mis le moteur, mes grands-parents, en 27. Autrement, jusque-là, ils avaient marché à Béchaud. Ben là, on est entre le Somail et Ventenac, Minervois, où on amène la Marie-Thérèse, puisque c'est la cave de Ventenac qui en devient propriétaire. Au regard de tout ce qui se fait sur le chantier, ben c'est quelque chose de très lourd hein, à tenir et à suivre. Donc, quelque part aussi, aujourd'hui, il y a toute l'équipe qui est là, qui a participé à la remise en état du bateau. Et il y a aussi des gens du Midi qui sont des vrais professionnels du canal du Midi. Ça permet d'avoir, de tisser des liens avec des personnes. Et le problème de ce bateau, c'est que c'est un bateau en bois et que si vous n'avez pas droit à l'erreur, quoi. Si on cogne, on casse le bateau. Donc il faut vraiment être très très vigilant. Et quand je parle de passation auprès de gens qui connaissent, c'est par rapport à ça. Ouais, reviens. Elle est tenue devant ? Allez hop. Celui-ci, c'est un fileyeur qui s'appelle Didier Marc. Il a été construit en 1964 par Perron à Valras. C'est une forme, une construction très très particulière.
C'est une sortie de flotte du plan Mélic. C'est un bateau qui devait être détruit et qui avait été racheté à l'époque par le Conseil Général et inscrit à l'inventaire des musées de l'Aude, justement pour conserver ce genre d'embarcation. C'est l'hôpital, hein, on va dire. Ça, c'est un bateau emblématique aussi du territoire, là, qui s'appelle l'Émile Zola. Il a été construit en 1902 ou 1903 à Port-la-Nouvelle par le chantier Bernadou. Donc c'est une petite barque catalane pour la pêche, mais qui a des formes vraiment spécifiques de la barque catalane. C'est un bateau qui, par manque de savoir-faire et de vieillesse, qui avait commencé à être plastifié. Enfin, bon, voilà, c'est... Ça, c'est une emblème aussi du patrimoine et pour nous, parce que c'est un bateau qui nous a appartenu pendant 20 ans, la Marie-Flore. C'est une fausse barque catalane, c'est une sétoise qui garde, elle a été faite en 1949 au chantier Camarote à Sète. C'est un chantier qui avait été racheté par les chantiers à Versailles. Le premier travail va consister à le mettre sur un chantier plat et essayer de le forcer pour le remettre, chercher à lui redonner un petit peu ses formes. C'est des bateaux qui ont toujours tendance à s'avachir. Donc là, on va remplacer la quille, mais déjà, il est en contrainte pour essayer de le, on va dire, le dérider. La première étape pour nous, pour ce genre de bateau, c'est de reprendre tout ce qui est charpente transversale. Donc on démonte toutes nos pièces et on va copier, faire des gabarits de toutes les pièces qu'on a démontées. Celle-là, si on la met sur la vieille pièce, c'est la varangue, c'est la deux arrière, donc c'est celle-ci. Là, vous avez la quille qui va avoir tendance aussi à s'arquer dans ce sens-là. Donc c'est des choses aussi à la réalisation de gabarits qu'on va avoir tendance à chercher à rectifier. C'est en fonction des formes de bateaux, on voit leurs rides, leur vieillissement, leur affaissement, et on va chercher à les remettre dans les lignes. Donc la réalisation de ces gabarits, avec lesquels on va aller ensuite sur notre stock de bois, chercher des plateaux de fil. Voilà, ça c'est fabuleux ça. Donc ça c'est une varangue là-dedans incassable. Il faut que le fil du bois suive parfaitement l'arrondi de la pièce. Donc par exemple là il y a une bille de Niangon là, qui est énorme, qui est cintrée, qui va nous servir, qui est là depuis au moins 3-4 ans. C'est une bille, j'y suis tombé dessus à 7, je l'ai pris. À l'époque, je ne savais pas, mais elle était intéressante pour moi. Mais c'est une bille sur ce bateau qui va nous servir à remplacer tous les plats-bords de pont, donc qui doivent être de fil et donc qui vont respecter ce fil. Donc ensuite, on démonte alors sur des séries. Là, il y a 21 couples. Un couple, c'est les côtes. Hein. En fait, c'est tout ce qui traverse le bateau sur la charpente transversale. On part toujours... sur les numérotations de bateaux, parce que ça aussi c'est des conservations de savoir-faire qui sont très importantes au niveau du métier. C'est qu'un bateau se numérote et se note toujours à partir du mètre beau. Le mètre beau, c'est la plus grande largeur du bateau. Bon, là, MB parce que c'est le mai bâbord, MT parce qu'on est côté tribord. À partir de ce mai qui est à 90 degrés, quand on va aller derrière, tous les équerrages de membrure vont être dans ce sens-là, puisque le bateau va se fermer. Donc c'est notifié le mai bâbord, 1 arrière, 2 arrière, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à l'arrière. Quand vous partez sur l'avant à partir du mètre beau,
tout ce qui se trouve devant le mètre beau va se fermer vers l'avant. Donc il va y avoir un avant, deux avant, trois avant, quatre avant. Garde-toi. Cherche à garder vraiment tes équerrages, ces équerrages qui y étaient là. Le charpentier qui va chercher le bois sur le tas de bois, dans sa tête, il doit avoir la position du bateau et il doit se représenter de manière impérative, par exemple 13 avant tribord. Je sais que ma pièce est comme ça, je vais avoir mes angles qui vont partir comme ça. Donc mon choix de bois sur le plateau va en dépendre. Parce que dans un plateau de bois, vous ne pouvez pas tout prendre. Et vous savez qu'il y a certaines parties au final qui vont disparaître. 12 avant bâbord, tribord. Je sais que mon bateau, j'ai passé le mètre beau, mon bateau va se fermer, donc je vais avoir tous mes gabarits qui vont être comme ça. Si je mets ma pièce comme ça, au final, je vais avoir mon angle qui va partir dans ce sens-là. Alors que ma courbe naturelle du tronc, et dans l'autre sens. Donc je vais perdre beaucoup. C'est tout un travail de représentation dans l'espace, de manière à optimiser au maximum les angles. Il faut chercher vraiment à optimiser, mais en gros, vous êtes à 40-50% de chute. On n'a plus rien maintenant. Et moi, j'ai fait le dessin comme c'était avant. C'est joli, ce tableau. Miguel Canalité. C'est très important. Il y a l'avant, mais il y a l'arrière. Miguel Canalité, évidemment, vient au centre. Le Rouspète, il n'est pas là, il ne m'entend pas, mais aussi. C'est un bon. Le travail qu'il fait à l'heure actuelle, avec les moyens qu'il a, et avec les hommes qu'il a. Moi, j'aurais aimé l'avoir avec moi, il y a 30 ou 40 ans, quand je faisais la construction. J'aurais pu partir tranquille en tant que je ne partais pas souvent, parce que c'est quand même un métier responsable, ça, moi. La construction navale, la construction de bateaux, j'ai dit, monsieur, pourquoi un métier responsable? Parce que quand même, ce sont des bateaux qui vont transporter des gens en mer, et des fois la mer est mauvaise, il fait mauvais temps, alors c'est dangereux, et il faut quelque chose de solide et bien fait.